bienvenue sur Positivé, la maison des 3P du bonheur, la pêche, la patate, positif. Bonjour, avez-vous passé une bonne semaine? Si oui, merveilleusement magnifique. Si pas oui, faisons en sorte que la prochaine soit bien meilleure. Positivé 142. De grâce, Positivé a fait une grâce humanité. Il fait trop beau, on en oublie l'oubli. La bonne nouvelle. Bonne nouvelle, toutes vos réclamations pour les arrêter ont été entendues. Les grandes surfaces et tous les magasins ne vendront plus de barouf. On n'aura plus besoin de passer la tête par la fenêtre pour crier aux voisins « Arrêtez-moi ce barouf !» La petite phrase pas très intelligente. Tant qu'on ne se regarde pas, on ne se voit pas. C'est tout simple. Imaginez, vous êtes au cinéma, bien assis, le film est palpitant, vous êtes totalement pris par l'histoire, à un point tel que vous en oubliez que vous êtes là où vous êtes. Soudain, le bruit d'un sac plastique se fait entendre, de plus en plus fort, de plus en plus longtemps. Et ça ne fait pas partie du film. Positivé ! Vous tournez la tête pour voir ce qu'il se passe, et à ce moment précis, vous ratez l'image clé du film. Et ça, c'est Toon Sandal. La pensée de la semaine. Tel que l'a si bien dit un sage chinois, celui qui reçoit beaucoup doit beaucoup donner. Le bonjour. Je vous souhaite une superbe journée pleine de joie et bonheur, et ce, chaque jour de la semaine. Positivé. Positivé. Vous le méritez bien. Astuce positive. Au lieu de demander à vos proches s'ils ont besoin d'aide, car avons-le nous en toute franchise, c'est une question que l'on pose par pure habitude de politesse. Et de toute façon, 90% du temps, la réponse est non, c'est triste. Positivé ! Car un oui, c'est tellement plus joyeux à entendre. Alors, ne demandez pas, faites, aidez et contemplez la joie de l'heureux quelqu'un que vous aidez si bien. Des questions? Un grand merci à tous les participants de ce Positivé! Vous avez des questions, des suggestions, des bonnes nouvelles à annoncer? N'hésitez pas à me les communiquer. Je vous donne donc rendez-vous pour un prochain numéro de Positivé!